place à présent aux sensations un peu plus fortes avec cette toute nouvelle soufflerie installée au stade nautique Régnier 3, un simulateur de chute libre qui figurait d'ailleurs sur la liste des souhaits établis dans le cadre du projet communal junior. Nous avons suivi et testé pour vous toutes les étapes, des explications au vol directement. Sachez qu'il est possible de franchir ces portes dès l'âge de 5 ans. Toutes les normes de sécurité sont respectées. Qu'est-ce qui se passe quand on saute d'un avion? Eh bien, l'attraction terrestre fait qu'on tombe. Et pendant cette phase de chute, on va rencontrer une masse d'air. Cette masse d'air s'appelle le vent relatif. C'est un petit peu comme quand vous êtes sur l'autoroute, en voiture. Vous ouvrez la fenêtre, vous sortez le bras, vous avez une résistance de l'air. Ouais. Et ben en chute libre, c'est la même chose, sauf que c'est la totalité de votre corps en fait, qui va rencontrer cette masse d'air. Et en fonction de la position qu'on va prendre avec son corps, on va pouvoir jouer avec cette résistance et se déplacer en l'air tel un oiseau. Cette position se dénomme la position à plat, un petit peu en forme de banane, comme vous voyez là sur le dessin. D'accord ? Je vous reprendrai pour un deuxième vol. Oui, on verra. Merci. Alors, moi, je voudrais vraiment vous livrer mes impressions. C'est quasiment un rêve qui vient de se réaliser. C'est-à-dire que si, comme moi, vous faites régulièrement ce rêve où vous volez, faites-le, vous êtes vraiment comme un oiseau. Et quand, en plus, vous allez prendre de la hauteur, vous vous rapprochez de plus en plus du ciel, vous ne voyez que la vue, finalement, du port de Monaco, du rocher, et vous avez, pendant quelques secondes, réellement l'impression d'être à l'extérieur et de voler au-dessus de tout ça.